Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 8e et je pense le dernier épisode de Harry Potter 4. Donc dans le dernier épisode, souvenez-vous, on s'était quitté. Il me manquait plus qu'un bouclier que j'ai réussi à récupérer. Finalement, j'ai pas fait la tâche 1, j'ai fait 4 ou 5 fois, mais ça m'a saoulé. J'étais arrivé à 4 minutes 10 le meilleur temps, mais après j'ai pas réussi en fait. Il faut arriver à moins de 2 minutes. Non, pardon, 2 minutes 10 le meilleur temps, sauf qu'il faut arriver à moins de 2 minutes. Donc c'est super chiant. J'ai réussi à débloquer donc du coup le labyrinthe. Mais juste avant, pouvez voir, j'ai beaucoup de dragées. Donc du coup, je vais acheter ce qu'il faut à Ron et à Hermione comme carte, même si ça. Voilà, je pense que ça va servir à rien parce que j'ai déjà tout ce qu'il faut. Alors, super endurance. Ouf, Ron plus 50, ok. Et voilà. Donc, on va faire la tâche 3. Et après, le dernier truc. Donc cette fois-ci, comme vous pouvez l'entendre, j'ai mon micro, tout est bon. Ah là là, je vous jure. Franchement, moi des fois. Dans la soirée, le professeur Maugrey a placé la coupe des trois sorciers dans le labyrinthe. Lui seul sait où elle se trouve. Champion, préparez-vous. Ouais, je suis chaud, cacao. Chaud, 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 chocolat. Bon, bref. Ouf. Ok. Action. Donc je suppose qu'il faut suivre les dragées. Ah, ok. Attendez, ça veut dire quoi ça? Comment ça se fait? J'ai que 100. Que j'ai pas le reste. Ah, cool. Ah là. Oui, ça fait mal ça. Par où? Oh. C'est un labyrinthe. Oh merde, connard. Attendez, bah ouais, par là. Mais en fait, je sais pas où est-ce que je dois aller. Ah, bon ben. Bah. Vite, cours! Allez! Je me rappelle de ça. Claire à gauche! Le
Ah oh, mais tu fais mal. Action. Gauche. Oh là là. En fait, c'est ce moment où je me rappelle plus dans le labyrinthe. Bon, allez, on va prendre à droite un peu. Bon, je l'ai sans vie. Allez, tout droit, on y est. Harry. Wouah. Oh merde. Gardium Leviosa. J'ai oublié de mettre le triple sort comme un con. Ah non. Non, je l'ai. Allez, venez. Ah. Ah bah attendez, regardez. Venez. Allez. Cool. Action. À toi. Et voilà. Vas-y. Prends-la. Tous les deux. Ah, on a obtenu l'arbre. Et donc les amis, on arrive à la fin. Donc on va s'amuser pour Voldemort. J'ai juste allé choper la dernière carte. Enfin, choper la dernière carte, m'acheter la dernière carte. Dans le folio, Harry. Je comprends pas, il y avait marqué une carte de débloqué pour Harry. Bon bref, c'est pas grave. Allez, on va attaquer Voldemort. Et ce sera la fin. Donc finalement, ça va finir même plus tôt que ce que j'avais prévu. C'est-à-dire que... ah, ça fait 10 minutes à peine. Je pensais que ça allait durer 25, 30 minutes. Cet épisode, mais non.
D'ailleurs, à noter que ça aura fait le même nombre d'épisodes entre, enfin, le 3 et le 4. Hein. Harry Potter 3 et Harry Potter 4, c'est les mêmes. Hein. Cédric, retourne à la coupe. Vite! Je ne t'abandonnerai pas. Tue l'autre. Non! Avatar! Kedavra! Harry Potter, le survivant. Nous allons en finir. Andaloris! Ouais, finissons-en! Voyons, Harry, montre-moi les sorts que tu as appris cette année. Ok. Alors déjà, j'ai appris le Wingardium Leviosa. Et bien sûr, je n'ai qu'un seul sort. Bravo, Harry. Si seulement Dumbledore pouvait te voir en ce moment. Donc je me rappelais de ce passage, ce qu'il faut faire et tout ça, donc c'est normal que voilà. En fait, le mieux c'est de leur lancer un Wingardium Leviosa, de les balancer au loin ou alors, vous savez, sur une statue ou quoi. Impressionnant, Harry. Tes parents seraient fiers de leur progéniture. Et je vais voir si. Non, vous voyez le flipendo, c'est. Bof, hein. Je croyais qu'on t'avait appris à Par contre, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu buggés. Hein. Tu ne peux pas te cacher, Harry. Là. C'est dur, Harry. Aïe. Tiens tout. Ta moldue de mère serait fière de toi. Oh merci. C'est vrai que ma maman, elle est fière de moi. Je veux lire la peur dans tes yeux. Ah! Nous attendons vos ordres, maître! Ne le touchez pas! Et donc, là voilà. Ce que vous allez faire avec ça, c'est justement, vous devez détruire les squelettes. Vous avez vu, c'est facile, hein? Il n'y a pas de. C'est vrai, ce serait tentant de souffrir encore un peu, mais j'ai pas envie. Prépare-toi à mourir, Harry. Aïe! Ta mère ne veut plus t'aimer. Veux-tu vraiment que je recommence? Et donc faut envoyer. Donc vous voyez là ce soir là, faut l'envoyer sur la statue. Allez! Putain! Ah, ne bougez pas. Et puis pile à la fin, vous bougez. Puis aussi.
Ok. J'allais dire, et puis aussi quand elle tourne, ça veut dire qu'elle est en train de plonger. Donc. Non, on recommence depuis le début? Lève-toi, 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 lève-toi. Voilà. Tiens donc, ta moldue de mère serait fière de toi. Avada Kedavra. Ok, allez. 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 Ne bougez pas. Ce n'est pas le moment de jouer à cache-cache. Oui. Harry, Harry, il est de retour. Voldemort est de retour. En ces temps sombres et difficiles, il nous faut choisir entre le bien et la facilité. Si jamais vous hésitez, souvenez-vous de Cédric Diggory, un garçon qui a su rester bon, fraternel et courageux.
Même si tu parles de la manière la plus convaincante possible, peu de gens croiront que Voldemort est de retour. Mais tu dois raconter ton histoire. Et voilà les amis, ça y est, on a fini ce Harry Potter. Ah là là, donc c'est la première fois que je le fais sur PS2, vu que je l'avais pas, grâce à Light, j'ai pu y jouer. Ce sera pareil pour Harry Potter 7, partie 1 et partie 2. Voilà, donc moi j'espère que ça vous aura plu. Bon, en tout cas, bah, comme d'habitude, comme un Harry Potter, j'aime bien. Celui-là, j'ai trouvé quand même un peu plus difficile niveau contrôle. Même niveau difficulté, comme vous pouvez voir par exemple à la première tâche là, pour avoir l'or c'est carrément impossible. L'IA est, elle en fait qu'à sa tête aussi. Bon, et donc on peut pas passer, c'est ça, on est obligé de laisser, tant pis. Donc je suppose que de toute façon il y aura rien après. Donc je vais vous quitter là. En tout cas, moi j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime commentaire. Et demain, Harry Potter 5. Allez, bye bye tout le monde.